answer something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am and I've been taking all. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon seul et unique Hey Paul. Donc le Forest Girl Coloring Book. Donc je pense que c'est le numéro 1. Après, ben voilà, c'est pas écrit très très français. Hein. Donc je pense que c'est le premier. Donc il est en version hardback et avec un papier aquarelle, il me semble. C'est un papier très épais. Très 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 épais. Donc on a de quoi tester nos couleurs. Là, ça doit vous raconter un petit peu les objets qu'on va retrouver régulièrement. Dans ce livre, ça vous explique un petit peu l'histoire de la petite fille avec son petit chien reine. Les jolies choses de la forêt, en partie 1. Donc dans celui-ci vous avez la partie déjà colorisée et après la version en plus grande et détachable. Est-ce que c'est vraiment détachable ou non, faut découper je pense. Mais, si vous voulez vraiment. Mais bon après vous avez le. Voilà. Donc, vous pouvez vous inspirer Sunglass of Leaves. C'est bien parce que vous avez quand même une traduction anglaise juste en dessous. Hein, parce que. Elle est vraiment trop mignonne cette petite fille. Blanket of Friends. Ça c'est trop cute. Mais voilà, c'est du boulot, un colo comme ça. Enfin pour moi. Hein. Mais c'est sûr, oui, à l'aquarelle ça peut être vraiment pas mal. Faire le fond à l'aquarelle, les objets et faire les personnages au crayon, à CDC. C'est vraiment très très joli. J'en voulais un dans ma collection, donc voilà. Quand on les voit mis en couleur, c'est vraiment juste magnifique. Donc voilà, je voulais moi aussi essayer, tester. Ouais, pourquoi pas commencer par un truc peut-être comme ça. C'est un petit peu plus simple. Vraiment trop trop joli. C'est vraiment cute. Tellement, tellement beau. La partie 2, un bonjour pour voyager. Vous voyez, hein, au niveau du dessin, il y a beaucoup plus de détails que. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Avec le Dreamcatcher, vous m'avez totalement perdu. Celui-ci, je l'ai vu mis en couleur, je ne sais plus par qui, mais oh, tellement, tellement beau.
trop mignon. Beaucoup d'éléments. Pas mal de verre, je pense. Il y a en aquarelle, j'en ai pas. Celui-là aussi, je crois que je l'ai vu mis en couleur. Il était très 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 beau. Sans que c'est celui-ci. Celui-là, mon Dieu. L'heure du thé dans les nuages. Oh. Tellement bien. Je pense que je l'ai vu aussi celui-ci faire. Oh, trop cute. Vous avez vu, mais bleu, blanc, rouge, hein. A light, nice piece. Oh, celui-ci, Noël. Oh là là. Tellement mignon. Voilà. Est-ce que je vais oser un jour l'entamer? J'espère. J'espère que je vais oser. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, pour cette petite présentation. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez. Si vous voulez qu'on fasse un duo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao!